Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Terrario. Si vous aimez les aquariums, les terrariums, ou même aller dans la nature, observer des animaux, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, hein, vous verrez, j'ai de nombreuses vidéos à vous proposer. N'hésitez pas à liker celles que vous aimez et puis à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui, je vous accueille chez Aquaplante, où je vais vous montrer comment on a installé ce grand aquaterrarium ouvert pour en faire un petit paradis pour des petites crevettes néo-carilina. Pour recréer les paysages rocheux d'Asie que l'on voit au tout début de cette vidéo en photo, on a commencé par assembler des pierres Dragonstone. Elles ont été fixées les unes aux autres avec de la colle pour aquarium spécialement prévue pour. Voici le décor rocheux terminé après plusieurs semaines de séchage. Ce type d'aquaterrarium ouvert permet d'avoir une vue directe sur la partie émergée dans laquelle on va venir placer de nombreuses plantes. Pour créer un petit ruisseau et filtrer l'eau, on va utiliser une pompe extérieure. Ce premier tuyau permettra d'aspirer l'eau jusqu'à la pompe, et ce tuyau de retour va créer l'écoulement du ruisseau. On vient le positionner au bon endroit. Et on va cacher la pompe externe dans la partie inférieure dans le meuble. Pour économiser du sol technique et permettre un bon drainage et une bonne aération au niveau des racines, on commence par remplir nos deux parties terrestres avec de l'aqualite. On aurait pu mettre aussi de la pouzzolane. On va ensuite remplir avec du sol technique qui sera un très bon substrat pour la croissance de nos plantes. Ces deux gros volumes de substrat seront un très bon support bactérien pour une bonne filtration biologique de notre bassin. Dans la partie aquatique, on va mettre du sable clair. Comme d'habitude, on commence par bien le laver et bien le rincer. Comme la partie aquatique de notre aquaterrarium a une faible hauteur d'eau, on va mettre peu de sable sur le fond. On commence à remplir le bac avec de l'eau osmosée très faiblement reminéralisée. La partie aquatique comprend quand même plus de 100 litres utiles. Le substrat des deux îles se gorge d'eau, ce qui sera parfait pour la culture de nos plantes d'aquarium en version émergée. Cette pompe intègre un chauffage que l'on ne va pas allumer parce que les crevettes qu'on va y élever préfèrent une eau à température ambiante. On allume la pompe et on règle le débit du ruisseau. Cette faible hauteur d'eau sera un environnement parfait pour nos crevettes néo-caridina qui évoluent principalement sur le fond de l'aquarium. On ne mettra bien sûr aucun animal au niveau de la partie terrestre, puisque notre aquaterrarium est ouvert. On installe maintenant la rampe d'éclairage LED. Et puis on va avoir maintenant le plaisir de choisir nos plantes pour notre composition. Alors l'intérêt chez Aquaplante, c'est qu'il y a justement énormément d'espèces disponibles.
Et en plus, comme cet aquaterrarium est dans leur showroom, on va pas hésiter à en présenter toute une variété. Une autre approche, pour un rendu peut-être un peu plus naturel, aurait été de présenter juste quelques espèces. Pour les anubias, il faut faire attention de ne pas enterrer les rhizomes pour qu'ils ne pourrissent pas. Il est plutôt pratique d'utiliser une pince pour la plantation. Comme d'habitude, on met les plantes les plus hautes en arrière-plan et les plus basses au premier plan. Parmi ces différentes espèces, certaines vont prendre le dessus plus que d'autres, ce qui va permettre une évolution dans le temps de notre paysage. Encore une fois, c'est ici l'opportunité de montrer la richesse de la gamme proposée par le magasin. On fixe ces fougères épiphytes directement sur les roches. Pour donner cet aspect de roche recouverte par la végétation, on va coller sur nos pierres différentes espèces de mousse. On utilise de la colle forte spéciale utilisée en aquascaping. Il faudra bien maintenir cette mousse dans une ambiance très humide pour qu'elle colonise peu à peu nos rochers. Ça viendra en plus camoufler la colle qui va devenir blanche en séchant. Pour apporter de l'humidité et recréer une ambiance brumeuse, comme on peut le voir ici dans la baie d'Along au Vietnam, on va utiliser un fogger. On l'installe camouflé dans la partie basse. Je trouve que cette brume est vraiment du plus bel effet. On va maintenant attendre un bon mois que le cycle de l'azote se fasse avant d'installer dans le bac nos petites crevettes colorées. Ça va permettre aussi aux plantes et à la mousse de bien coloniser le décor. D'ailleurs, pour éviter qu'elles ne sèchent et ne jaunissent, il faudra pulvériser sur la mousse, plusieurs fois par jour, de l'eau osmosée ou de l'eau de pluie. Une autre possibilité est d'installer un système de brumisation automatique, bien sûr. Je vous montrerai ça juste après dans la vidéo. On apporte la petite touche finale avec quelques plantes flottantes. Voilà, notre petit univers aquatique tropical est terminé. On va maintenant attendre avant d'y placer les crevettes. Ça y est, plus d'un mois s'est écoulé. Les mousses ont commencé à recouvrir le décor de pierre. Je trouve qu'avec ces mousses, le rendu est vraiment magnifique. Le pic de nitrite est passé. Et tous les paramètres de l'eau sont au vert. On va pouvoir introduire nos crevettes. Les Neocaridina se déclinent en de nombreuses sélections de couleurs.
notamment la Red Sherry, complètement rouge, très populaire en aquariophilie. Mais pour cette vidéo, je vais essayer de vous proposer une sélection un peu plus originale. On va installer dans la partie aquatique de notre aquaterrarium ces Red Reilly. Je prends un peu d'eau de leur aquarium dans un sac et puis avec une toute petite épuisette, je vais les attraper. On va prendre un petit groupe d'une vingtaine d'individus. Il serait bien sûr tentant de mettre un banc de tout petits poissons avec nos crevettes, comme ces Rasbora par exemple, ou encore ces superbes petits tétras néons verts que j'adore. Mais même s'ils sont tout petits, ils risquent quand même de manger nos bébés crevettes, et notre population risque de décroître avec le temps. C'est pour cette raison que je vais choisir de ne mettre que ces crevettes dans ce grand bac. Pour leur acclimatation, je laisse tremper le sac dans l'aquarium et j'introduis un tout petit peu d'eau toutes les 5 minutes à peu près pour qu'elles s'habituent progressivement aux paramètres de leur nouvelle eau. Pendant ce temps, je vais en profiter pour remettre un peu de mousse aux endroits où on voit encore un peu de colle. Et puis je continue petit à petit à introduire un tout petit peu d'eau à la fois dans le sac. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ce bac ouvert avec la brume qui sort est vraiment du plus bel effet. En un mois, nos mousses et nos plantes ont vraiment bien poussé, y compris toutes ces plantes flottantes qui apporteront nourriture et refuge pour nos crevettes. La partie terrestre, sur laquelle on a un accès direct puisque le bac est ouvert, est vraiment sympa également. Et j'adore également ce vert cru apporté par la mousse. Comme je vous l'ai dit, pour compléter l'humidification, on a finalement ajouté un système de brumisation automatique. Il pulvérise de l'eau osmosée quelques secondes, toutes les heures, avec deux buses orientées vers la mousse. Ça permet de les maintenir humides en permanence et de compléter la forte évaporation du bac. Après une longue acclimatation qui a duré près d'une heure, on va pouvoir maintenant relâcher nos petites crevettes. On va y aller très progressivement pour être sûr de ne pas laisser une crevette coincée dans le sac. Waouh, leur motif rouge et blanc va être superbe à regarder. Bien sûr, on vérifie bien qu'il ne reste aucune crevette coincée dans le sac. Voilà, notre petite baie asiatique est terminée. Ça tombe bien parce que nos crevettes Neocaridina sont justement originaires d'Asie. Ces superbes petits crustacés d'eau douce sont très prolifiques et faciles à maintenir en aquarium. Beaucoup plus que leurs cousines, les Caridina Taiwan Bees, que je vous avais déjà présentées il y a quelque temps dans une autre vidéo. Dans la nature, nos Neocaridina,
préfère les eaux plutôt fraîches, stagnantes ou à faible courant. En aquarium, on les élèvera à une température entre 18 et 26 degrés. Du coup, vous pouvez laisser votre aquarium à température ambiante sans avoir besoin de le chauffer. D'ailleurs, en été, il faudra éviter que sa température ne dépasse les 30 degrés, ou en tout cas pas de façon prolongée, parce que sinon vous risquez d'avoir des pertes. A l'inverse, en hiver, il n'y aura aucun problème, puisque nos petites crevettes résistent facilement à des températures qui peuvent descendre jusqu'à 4 degrés. D'ailleurs, certains élèvent des red cherry à l'année en bassin d'extérieur. En dessous de 4 degrés, elles s'enfouissent dans la vase et vont rentrer en léthargie jusqu'à ce que les températures remontent. Il n'est quasiment pas nécessaire de les nourrir parce qu'elles mangent tous les débris végétaux et les algues qui se développent dans le bac. Néanmoins, vous pouvez compléter une à deux fois par semaine avec de la nourriture spécialement prévue pour crevettes et en très faible quantité. Une nourriture riche en carotène accentuera leur couleur rouge. Vous verrez, les Neocaridina se reproduisent super facilement en eau douce. La femelle conserve ses grappes d'œufs sous son abdomen. Les œufs donnent naissance à des petites crevettes parfaitement formées, sans passer par un stade larvaire. Si vous le souhaitez, surtout, n'hésitez pas à venir observer ce grand aquaterrarium et ses petites crevettes directement chez Aquaplante. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis, si vous voulez aussi me laisser un commentaire, c'est toujours sympa. Et si vous souhaitez même vous impliquer encore plus en m'aidant à faire progresser la chaîne, je vous invite à partager vos vidéos préférées sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, je vous remercie énormément pour votre implication. Pour finir, je vous ajoute en bonus encore quelques images de cet aquaterrarium et de ces petites crevettes que je trouve vraiment superbes. Et puis, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir, à bientôt pour une autre vidéo.